Bonjour à tous, gentlemen et gentilhommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Alors, je vais vous donner l'horoscope des béliers pour ce mois de juin. Je vous répète que si vous voulez vous abonner à mes vidéos, il faut activer la cloche, comme ça, dès que je les publie, vous les avez. Si vous voulez me mettre un pouce, je vous remercie d'avance, bien sûr, si vous avez aimé mon contenu. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez tout ce qu'il faut en bas de mes vidéos, les liens voulus pour me contacter. Voilà, allez, on va voir pour vous les béliers, qu'est-ce qui arrive durant ce mois de mai. Alors, allez, on y va. C'est parti. Une belle élévation. Alors, vous allez avoir quelque chose qui se débloque, qui évolue. Vous allez recevoir un message pour peut-être pour débloquer cette situation. Correspondance. Alors, autour de vous, il y a quand même des commérages. Alors, peut-être une situation, un déblocage, hein, une élévation par rapport à un procès de justice qui est favorable pour vous, parce que c'est bien un endroit. Ça aurait été comme ça, ça aurait été défavorable. Mais là, si vous avez entamé une procédure, c'est favorable pour vous. Il n'y a pas de souci. Par contre, autour de vous, il y a de la médisance, des commérages. On jaquette sur votre dos. Hein. Avec ces oiseaux, ça me fait penser que il y a des langues de vipères autour de vous aussi qui disent des choses qu'il ne faut pas. Oh, ça peut concerner une jeune fille. Alors, une jeune fille et le consultant. Est-ce que c'est un homme, là, qui est avec une jeune fille? Est-ce que la personne a été naïve, tout simplement? Parce que la jeunesse fait penser à la naïveté. Est-ce que vous avez cru certaines choses? Alors, jeune fille et jeune homme et un choix à faire. Alors là, j'ai un consultant, c'est-à-dire celui qui viendrait, admettons, regarder ce tirage. Et il y a un jeune homme et une jeune fille qui est concernée sur une décision à prendre. Alors, avec le procès, hein, peut-être qu'il y a des enfants en cause. Et on doit statuer sur le sort des enfants. Mais l'issue est favorable pour le monsieur. Parce qu'il ressort dans le tirage. Hein. Vous voyez ce qui vous parle. Là-dedans, dans ce que je vous ai dit, si vous êtes en procédure, si c'est lié à des enfants, il y aura un choix quand même à faire. Peut-être que ça concernera des gardes alternées ou pas, je ne sais pas. Ça concerne les enfants, en tous les cas, les enfants sont confrontés à ce jugement. Ça, c'est sûr. On doit statuer. Alors, il y a un jeune homme qui peut avoir un début de relation avec quelqu'un, mais le choix à faire, il y a une situation qui est figée. Après, ça peut durer 6 mois. Est-ce que de toute façon les procédures c'est long. Là j'ai l'été et l'hiver. Est-ce que ça, ces conflits ont commencé cet hiver et vont finir cet été? C'est un peu délicat parce que là j'ai une situation qui prendrait fin parce que le gelé c'est le blocage. Et d'un autre côté on me donne quelque chose qui a une possibilité d'évolution. Alors le printemps pardon, c'est même pas l'été, c'est le printemps. C'est moi qui dis des bêtises maintenant. Là on a une situation, comme je vous dis, de printemps, c'est le début des feuilles qui poussent. Et l'hiver. Donc, ce n'est pas une possibilité de 6 mois. Est-ce que dans 6 mois, ça va peut-être s'arranger vos problèmes? C'est surtout ça. Peut-être c'est un délai qu'on me donne tout simplement. Alors, il peut y avoir pour un jeune homme
un début de travail cet été. Alors, ça peut être un travail qui correspond à quelqu'un d'indépendant. Ça peut être, je sais pas moi, un aide-soignant qui va chez les gens à domicile, qui travaille tout seul. Ça peut être un travail indépendant, tout travail indépendant. Peut-être on a un commerce, tout simplement. Alors, travail indépendant, l'hiver, ça peut être quelqu'un qui avait un travail indépendant en sport d'hiver, ou voire même été, parce que nous avons les deux saisons avant. Donc, c'est quelqu'un qui travaille par saison, hein. Tout simplement le travail. Un coup de chance. Alors, je pense que pour certains, on retrouve une relation amoureuse. Le coup de chance, une opportunité à saisir côté cœur. Pour d'autres, côté cœur, il y aura des disputes, des ennuis, de la solitude. On aura été quelque part trahi aussi, agressé, sentimentalement. Y a de tout là. Il y a pour les personnes qui ont un divorce en cours, il y avait des jeunes qui étaient en cause. Et là, on nous parle d'amour aussi. Donc, il y a des couples qui sont. Il y en a certains qui se sentent seuls aussi. Et puis d'autres auront des opportunités à saisir côté cœur. Et d'autres, par contre, c'est la solitude et on a été même titillé, agressé. Et même déprimée. Ça concerne une femme surtout là. Alors il y a une femme qui se sent vraiment seule, qui a été en situation quand même. Elle est peut-être agressive. C'est pas elle qui est agressive, c'est qu'on lui a porté de l'agressivité parce que l'épée vient vers elle. Donc elle a subi quelque chose, cette dame, cette femme. Et là, elle est même rongée par ça. Ça la ronge parce que le rat, c'est une situation qui ronge. Donc, cette dame et cet homme, on aura des démarches administratives. Ça me fait repenser un petit peu aux consultants d'en haut. On aura des procédures à faire, administratives. D'où la situation qui ronge, peut-être pour cette femme, puisqu'on a vu que l'homme avait plus de chances de réussite là-haut. C'est vraiment, ça parle bien. Il y aura quand même quelque chose qui vient à vous pour le monsieur et ça sera la réussite et ça confirme ce que j'ai dit en haut, que le monsieur aura toutes les chances de réussite par rapport à ses enfants. Mais il y aura un choix à faire. Donc pour cette issue et ce procès, c'est favorable pour cet homme. Pour certains, le cadeau et les examens, tout ça, peut-être qu'on était fatigué et les choses reviennent, on retrouve un équilibre santé, on retrouve une belle énergie, parce que ça peut être l'énergie aussi, le soleil. On retrouve une belle énergie. Hein, peut-être que ça fait un moment que vous étiez fatigué, déprimé. Alors voilà. Là, on a une femme qui ferait un mariage. C'est une autre femme, hein, parce que là c'est la 47, la 48, on a vu tout à l'heure l'homme et la femme. C'est une femme qui aurait la possibilité de s'engager avec quelqu'un. Hein. Il y a une possibilité. On envisage peut-être un mariage, une légalisation entre nous. Ça peut être un pacs aussi, hein. Pas simplement un mariage. On se met ensemble. On construit ensemble. Ou alors on signe quelque chose pour un bien immobilier. Ça peut être un acte notarié aussi. Ou un héritage pour certains. Et là, le renouveau. Alors le renouveau et la certitude. Mais peut-être que c'était temps que ça arrive, que les choses reprennent, retournent, que se transforment. Oui, parce qu'avant c'était le désert. Et psychologiquement, beaucoup touché. Pensée négative, ce qui fait penser un petit peu au rat qu'on a vu tout à l'heure, la déprime. Vous étiez en phase de déprime, ça va mieux comme je vous ai dit côté santé. Donc votre énergie rebascule, ça va mieux, vous allez remonter la pente. Si vous étiez un petit peu en déprime, en dépression, peu importe, les choses rebasculent. Hein.
Bon, après, la lumière soit faite, on trouve un éclaircissement à notre situation, mais pour certains, il y a de la dispute dans votre couple. Possibilité aussi, hein. On a dispute, il y a quelque chose qui se brise, qui se casse. Peut-être que les pensées négatives, c'est fini. C'est brisé. Ça se stoppe. C'est la fin. C'est ce que je vous disais. Vous rebasculez sur des bonnes énergies. Voilà. Il y avait des blocages en vous. Maintenant, il faut saisir cette opportunité de repartir sur des bonnes bases côté santé, côté déprime, hein, vous remontez la pente. Et en plus, comme le soleil était là, c'est vrai qu'avec le soleil qu'on a maintenant, on a plus de lumière, la chaleur, le soleil fait que quand même notre énergie est meilleure aussi. Le soleil, c'est important pour nous. Donc, il y a des blocages pour certains côtés sexuels. D'autres, d'une opportunité qui va apporter la paix côté sexuel. Alors peut-être que c'est des personnes qui étaient seules. Hein. On va retrouver la paix parce qu'on va se remettre en couple avec quelqu'un. Après, ça peut être la paix retrouvée par rapport à des problèmes gynécologiques. Ça peut être aussi. Bon, ça peut être un gynécologue. On va voir. Peut-être qu'on va avoir un traitement. Ça peut être une maladie, bien sûr, qu'on avait et on retrouve la paix, la tranquillité. Alors attention, la perte et l'abus. Alors attention pour certains de ne pas avoir une relation qui est basée que sur la sexualité où on abusera de vous durant ce mois parce qu'on a la lunaison. D'autres, certains vont trouver la paix. Comme je dis, mais là avec la chauve-souris qui est en dessous, faites attention que vous n'ayez pas une relation qui est basée simplement par la sexualité. On sera voilà attiré par vous que par ça pratiquement et on vous abusera. Faites attention. Alors on sera amené à faire la fête dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a de la densité quand même. Ça peut être, je sais pas, mariage, baptême. Est-ce que ça reprend les baptêmes? Peut-être qu'il y a un événement fête qui était prévu, qui va arriver quand même. Il y aura du monde. Il y aura du monde parce que ça, c'est la foule, la densité. Après, attention avec l'abus de vent, ne pas se faire abuser pour un projet immobilier si vous avez un projet en cours. Hein. Alors, la force et le courage. Alors, quelqu'un qui pourrait être amené à faire un poste à haute responsabilité, de changer de poste, avoir une place de chef ou responsable, ou avec un gain d'argent. Alors, pour un projet que vous envisagez, la situation est un peu compliquée. Si vous avez un nouveau projet que vous voulez mettre en place, il semblerait que l'issue est un peu compliquée avant d'y arriver. Il faut vraiment garder votre force et vos courage parce qu'on a le lion avant pour pouvoir aboutir à ce projet. Hein. Alors, est-ce que c'est un problème lié à l'argent? Hein? Peut-être aussi qui freine un petit peu ce projet, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, on a l'été. Alors, est-ce que ce projet va se débloquer en été? Vous avez une belle protection sur vous. Est-ce qu'il y a une évolution possible durant cet été? Est-ce que j'ai l'été? Alors, il y aura un renouveau avec une personne âgée. Est-ce que ce projet, une évolution peut se faire avec une personne, alors, ou qui a de l'expérience, parce que ça peut, la maturité peut me donner de l'expérience, qui a plus d'expérience que vous, qui va vous aider. Après, ça peut être, voilà.
On n'allait pas avec une personne âgée, c'était conflictuel. Et là, les choses rebasculent, on se refréquente. Maintenant, ça peut être un homme âgé qui va apprendre que quelqu'un est enceinte, ou cet homme va avoir un nouveau projet à vous proposer. Peut-être qu'il vous sera en aide pour votre projet que vous avez là, votre création. Lui, par son expérience, va vous apporter certainement de l'aide. Sa bénédiction, j'ai envie de dire, avec la croix, tiens. La bénédiction pour ce nouveau projet. Peut-être qu'il va vous appuyer aussi, attention. Ça sera peut-être un coup de pouce aussi. Alors, pour certains foyers, c'est pas du tout chaleureux en ce moment. Waouh, waouh. Wow. C'est ce qu'on avait dit là-haut, hein. Le foyer est pas du tout chaleureux. On perd nos sentiments, ces fioles, ça va pas trop. Ça correspond bien à ce que je vous ai dit en haut, à ce divorce qui se prépare. Alors j'ai deux horoscopes dans ce mois-ci que ça va un peu chambarder hein, en couple. Voyez, il y a alors le foyer, il y a des failles, il y a des complications, il y a, on ne sait pas où on va. Il va falloir bouger. Bon, après, c'est compliqué peut-être pour organiser un voyage pour certains, hein, tout simplement, des déplacements. Mais là, avec le foyer, il y en a un des deux qui va bouger là. Alors, bouger, on a le voyage et alors. Il y a peut-être une femme âgée, là, en l'occurrence, qui va préparer un voyage à l'étranger ou un voyage au bord de mer. Ça peut être une femme d'exotique, de culture étrangère. Les failles et l'exotique. Il y a peut-être des complications pour certains par rapport à un voyage qu'on a organisé. Hein, parce que là, c'est le bateau, là, c'est le voyage aussi, les déplacements. Alors, peut-être c'est cette femme âgée. Elle avait organisé quelque chose et c'est très compliqué pour pouvoir mettre son projet en place. Parce que là, on avait le projet, pas loin. Peut-être qu'elle n'arrive pas à faire. Alors, il va falloir examiner la situation pour pouvoir s'épanouir sur notre projet. Hein? On peut trouver peut-être une négociation avec un ami, quelqu'un de proche, qui va vous tendre la main, qui va vous aider, en quelque sorte. Et là, je pense que c'est lié plutôt à ce voyage, à moins que quelqu'un d'extérieur à votre foyer vienne vous tendre la main et vous aider, vous épauler. Ça peut être. Après, on peut avoir un animal de compagnie proche de nous. Une petite rentrée d'argent et par contre, j'ai des chagrins. Donc, on vient un petit peu vous soutenir par rapport à tout ce qui se passe dans votre foyer, moi je pense. Hein. Il y a quelqu'un qui vous épaule, un ami sincère, proche de vous. Ou... C'est quelqu'un de proche de vous en tous les cas. Ou un ami, ou... C'est une personne proche de vous qui vient vous épauler un petit peu. Il y a une petite rentrée d'argent. Et c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. C'est comme si qu'il fallait aussi, avec l'incertitude qu'on a eue, que vous sortez de cette situation en fin de compte. Voilà, c'est un nouveau départ. Bien sûr qu'on peut être amené. Alors, avec l'argent devant, on pourra être amené à faire des dépenses pour un décès, pour certains. Hein. Et on peut être amené à entendre un décès autour de nous. D'où le chagrin qui est là aussi. Hein. Il y a une possibilité aussi. Et à ce moment-là, ça sera une personne quand même qui était proche de vous. Mais bon, on ne va pas tous avoir des décès, c'est une possibilité. Comme c'est du général, prenez tout ce qui vous parle.
Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite un bon mois de juin à tous. Portez-vous bien et à bientôt.